Dans la catégorie humour-création, voici les magiciens d'Odds avec Thierry Bertillon et Zachary Tremblay-Lampron du cégep Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Ce soir, les deux meilleurs magiciens de votre région sont là pour vous ouvrir les yeux. Zach! Vous faire voir un autre monde beaucoup plus obscur que celui que vous connaissez. Zach! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il est où le lapin? De quoi tu parles? Quel lapin? Ben, le lapin là pour le numéro qu'on a préparé depuis au moins 2 semaines. Oh! Hey, je m'excuse, j'avais vraiment compris, mocassin, j'étais sûr que tu me niaisais. Je te jure, là, si tu gâches encore un seul autre numéro, je te fais plus jamais réapparaître sur scène. Ah ouais? Ben, si c'est comme ça, je vais faire comme samedi dernier puis faire apparaître ta mère dans mon lit. Non. Ça, c'est trop. Ça suffit. Ben non, Thierry Bertillon, tu me feras pas disparaître aussi facilement. Puis ça, même si je dis le mot magique? Ben, c'est le mot magique, c'est le nom de ta mère. Ah, ben... OK, on va recommencer. OK, je m'excuse, faut pas qu'on oublie pourquoi on est là, hein? La magie! Bon, maintenant que c'est enfin réglé, on va pouvoir se présenter. Nous sommes les magiciens de... Odds, traduction, chance, définition, possibilité et ou probabilité qu'un événement heureux se produise. Un événement heureux, genre ce qui m'arrive rarement quand t'es là. Hey, t'es vraiment un fléau, toi, aujourd'hui! Puis toi, tu me fâches autant qu'un labo de science! Comment oses-tu, Thierry Bertillon? Tu sais très bien que y'a rien de plus ennuyant que la science! J'avoue, j'ai peut-être été un peu fort sur celle-là. Tu sais ce qu'on dit? Fuck la science! Non, mais pour vrai, moi, j'ai jamais compris ça, les gens qui idolâtraient ça, la science! C'est tout ce qu'elle fait, c'est nous causer les problèmes en pleine face. Tandis que la magie, elle, elle les fait disparaître. Non, mais c'est vrai qu'on y repense, OK? Qu'est-ce qui est plus drôle entre un volcan qui explose ou un magicien qui vomit un foulard? Hein? Non, j'ai oublié le foulard. Bon? Ouais. Fuck la science! On a toujours su qu'on était destiné à éradiquer cette peste bourrée de mensonges. Pour vous raconter notre petite histoire, moi et Zach, on était partenaires de laboratoire en secondaire 2 avec monsieur je sais tout. Puis la science, est-ce qu'on détestait ça? Faire des volcans, la biologie, les dissections. Oh, mais ça, c'était le fun. Te souviens-tu quand on avait fait disparaître l'oiseau? Oh oui! Le prof pensait vraiment qu'on l'avait fait disparaître, mais... on l'avait juste caché dans ses culottes! Et cet oiseau-là, il est resté tellement longtemps dans mes culottes qu'en plus d'avoir fait son petit nid, j'avais même plus besoin d'aller à l'épicerie. Il me fournissait des œufs gratuits à chaque matin. Mais on peut se le dire, là, la chose qui nous a le plus choqué, c'est quand on s'est retrouvés en retenue puis que le directeur nous a dit que la magie, ça n'existait pas. Pardon! Ça nous a tellement choqué que on a pris l'initiative de faire disparaître le cours de science pour leur prouver qu'il n'y a rien de mieux que la magie. C'est pour ça que ce soir public, les magiciens d'Oz vous présentent le plan de cours d'initiation à la magie et à la disparition! Donc, la pondération correspond à notre dernière game de Yum. 3 parties gagnées par moi, 2 parties gagnées par Thierry. Et 5 parties gagnées par le fils à Mesmer. Ben pour ceux qui ne connaissent pas Antoine, le voici, le voilà! Antoine, il est l'homme idéal, il a fait occupation double!
Ouais, ben c'est surtout que c'est le fils à Mesmer puis il a fait partie des semi-frères, là. Ouais, ouais. Oh, oh, oh. Ah, oh, Antoine! Thierry, on reprend. Thierry. Oui, oui, okay. Excusez-moi. Oh, excusez-moi, excusez-moi. On va juste continuer. Oui, donc, pour nous rejoindre, que ce soit pour avoir le numéro d'assurance sociale de Luc Langevin, faire partie de notre prochain tournoi de YUM le lundi 30 février prochain avec nous et Antoine, le maître du jeu, ou tout simplement de parler de magie, vous pourrez nous contacter par... Pigeon Voyageur, au local du concierge qui est maintenant le nôtre, par courriel au fucklascience@commercialcstjean.qc.ca et nous sommes disponibles uniquement les jours fériés, les soirs de pleine lune. Vous pourrez bien évidemment aussi nous contacter sur nos téléphones de job. Le champ bâton pour déménager. Vous composez le 937-0707. Le champ bâton, bonjour. Le 937-0707. Le 937-0707. Le champ bâton pour déménager. Vous composez le 937-0707. C'est notre petit sideline. Dans le fond, la magie, au début, c'est pas trop payant. Puis en plus, Magic Mike, ils ont pas voulu nous prendre. Alors, afin d'y remédier, les magiciens Dodds, vous, enseigneront ce cours magistral essentiel au développement de vos compétences de base en magie. Pour nous aider dans cette tâche complexe, on a été chercher les meilleurs, tels que Merlin l'Enchanteur, venu directement de son royaume. Et bien sûr, sans oublier notre préféré, le fils de Miss Mère. on reprend. Donc, le matériel nécessaire que vous aurez besoin pour le cours de magie sera bien évidemment d'avoir une baguette magique, vos gants blancs, connaître le mot magique, merci. Marie-Josée. Viens-tu vraiment juste de dire le nom de ma mère? Les prérequis de base pour le cours de magie sont... De surtout pas avoir vos sciences et maths fortes. Ne pas oublier d'aller chercher le livre à la coop aussi, le grimoire de recettes de Ricardo. Ces recettes sont magiques. Et pour la deuxième année, on hésite entre Harry Potter ou Martine au chaud d'Alain Choquette. Pour ce qui est des évaluations, les élèves se feront d'abord attacher par des menottes et devront s'en libérer grâce à la magie. Pour 25% de la session, ils devront ouvrir la chambre des secrets. Par la suite, ils devront faire apparaître l'oiseau qu'on a fait disparaître dans notre cours des sciences. Aidez-moi, je pense qu'il est encore dans mes culottes. Voyons donc. Et pour l'épreuve de synthèse de cours qui sera à remettre bien évidemment à la fin de session, sera bien évidemment de faire disparaître la fucking science! Yo, Zach, c'est quoi les odds qu'on termine le show en disparaissant? Écoute... On le fait sur 100, OK? OK. 1, 2, 3, Antoine!